est au lendemain de la bataille de la Marne et le front se fixe sur l'Aisne au mois de septembre 1914. Et là arrive le 298e régiment d'infanterie, régiment de Roanne, et très vite on voit que la guerre de mouvement laisse place à une guerre de position dans laquelle les soldats vont être très vite déboussolés. Il va falloir donc prendre très vite ces positions. On est sur le plateau un petit peu au-dessus de la rivière de l'Aisne, sur ce plateau de Vingrais. Et de septembre à novembre vont avoir lieu des combats assez terribles pour justement prendre position de ce plateau. Des mouvements d'avance, de recul, et le 27 novembre 1914, une attaque allemande a lieu sur les premières lignes françaises à Vingrais, ce qui engage un mouvement de recul dans une section du 298e régiment d'infanterie. Il faut absolument ne plus reculer et tenir ce front absolument. Et il faut donc contraindre les soldats à ne plus reculer. Et donc cette affaire plus ou moins banale de recul qui a lieu le 27 novembre, le général de Villaret, donc qui commande le corps d'armée, va vouloir faire des exemples et d'un incident pour 100 mètres de tranchée perdue puis repris, puisque les soldats de la section qui avaient reculé reprennent aussitôt après les premières lignes. De cet incident, on va en faire un exemple et on va mettre en justice, grâce à une justice d'exception, ces 6 soldats. Ce mouvement de recul aurait pu être aussi à l'initiative d'un officier, le lieutenant Polo, qui n'ira, durant l'instruction, avoir donné l'ordre de reculer à ses troupes. Pourtant, après-guerre, le procès de réhabilitation montrera que le lieutenant Polo a bien donné l'ordre de recul. Alors ce qui va se passer pendant le procès, c'est totalement monstrueux et arbitraire. C'est qu'on va demander tout simplement aux soldats de se replacer comme ils étaient dans la tranchée. Et arbitrairement, on va choisir les 6 premiers soldats qui auraient pu donc engager ce mouvement de retrait. Et donc les 6 soldats, le soldat Floc, Gay, Duranté, Pételet, Blanchard, vont être condamnés à mort par conseil de guerre. Et on va choisir de les exécuter sur le lieu même, ou en tout cas à proximité, donc à Vingrais même, devant la troupe. On va réunir pratiquement 3 régiments pour cette exécution. Le plus tragique dans cette affaire, c'est bien sûr l'innocence de ces 6 soldats. On a conservé les 6 lettres qui sont aujourd'hui affichées dans le village de Vingrais. Les 6 dernières lettres, dont la lettre du soldat Blanchard qui finit par ces mots « revoir là-haut ». 6 témoignages terribles, horribles, de dernières lettres de soldats qui vont être condamnés. Donc 6 poteaux d'exécution dans ce champ derrière le monument qui est aujourd'hui à Vingrais. 72 coups, 72 soldats sont donc désignés pour l'exécution, partent d'un seul coup et on fait défiler comme ça les compagnies devant. L'un des témoins racontera qu'une compagnie n'a pas souhaité regarder les poteaux d'exécution, mais s'est tournée de l'autre côté pour regarder les officiers qui eux-mêmes, dit-il, étaient avec des larmes dans les yeux. La première réhabilitation après-guerre, c'est celle de Vingrais. Et c'est une grande victoire pour leur mémoire et pour la mémoire des anciens combattants. Pour le centenaire de Vingrais, nous voulions réunir pour la première fois non seulement les familles qui étaient déjà revenues, les familles des fusillés, les familles des avocats, les familles aussi d'autres fusillés qui ont voulu être présentes. Bien montrer que Vingrais dépasse aussi simplement l'histoire des 6 fusillés, mais il y a tout un symbole de la réhabilitation des fusillés derrière Vingrais, derrière ce petit monument. Donc de réunir aussi tous les gens qui ont plus ou moins aidé à porter la mémoire de Vingrais. Pour nous, on voulait aussi que cette journée de mémoire soit aussi l'occasion de venir dans l'Aisne, de découvrir Vingrais. Vingrais, c'est ce monument des fusillés. Beaucoup de gens se sont intéressés à la Grande Guerre. Des gens qui n'avaient pas a priori d'intérêt pour la Première Guerre mondiale, en découvrant aussi cette mémoire des fusillés, ont pu se rendre compte d'un terrible contexte
de ce que pouvait être la vie et la mort d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Une expérience combattante complètement traumatisante.